Ce résumé vous est proposé par Heineken. Et Pepsi Max, sponsor de l'UEFA Champions League. Ça risque d'être très dangereux, ça. Ce sera Neymar et ça part plutôt bien. Ballon qui passe à côté, première occasion réelle. Surface arrêtée, Neymar. Ça passe un bon mètre tout de même à côté. Ouais. Portier de Dortmund. Neymar qui a mis énormément d'effets sur ce ballon. Oh là là, superbe. Encore un excellent ballon vers l'avant. On en reparle dans quelques instants, Kalilou, parce qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Avec Sancho, la frappe magnifique. C'est pas terminé. Achraf Hakimi, le retour de Kurzawa. Ouais, Kurzawa qui met son pied, encore une action de... Et tout part encore du milieu de terrain entre Emre Can et Axel Witsel. Regardez-moi encore ce pressing. Et la récupération dans la foulée, bien entendu. Et ça va passer avec Haaland dans le grand rectangle. Haaland pour frapper très fort dans le petit filet. Thorgan Hazard pour trouver Haaland ou pas. Non, il y a le pied de Marquinhos. Le petit gay pour donner à Neymar. Et un tacle là assez impressionnant de Thorgan Hazard. Di Maria, Mbappé. Oh là là, c'est splendide! L'arrêt de Bourki et Neymar! Ça ne rentre pas. Énorme occasion pour le Paris Saint-Germain. Énorme occasion du Paris Saint-Germain avec les trois joueurs qui sont capables justement de débloquer la situation. Di Maria qui prend l'information avec cette passe. Le voilà justement Haaland. Et encore une fois, Sancho en possession du ballon qui donne à Hakimi le centre et le but qui vient venir maintenant. Haaland, bien sûr. Haaland, qui d'autre? Incroyable. Ça ne pouvait être que lui. Il est exceptionnel. Incroyable. Haaland qui vient de marquer ce but. Qui n'est peut-être pas le but le plus difficile depuis le début de sa carrière, mais qui est d'une importance capital. Il fallait être là, il l'est. Au bon moment, au bon endroit, c'est ça qu'on dit justement d'un attaquant. Mbappé, il force les choses et qui passe tout seul. Mbappé, le but. Et le but, voilà, de Neymar. Germain. Le but de Neymar au moment où on les attendait plus. Ils sont là, les Parisiens. L'assist d'Mbappé, l'égalisation de Neymar. C'est pas mérité, mais c'est but tout de même. Et je peux vous dire que les Parisiens n'en ont cure. L'importance pour eux de ce but est totale. 1-1, Neymar, incroyable. On ne l'attendait plus. Paris qui vient chercher l'égalisation ici à Dortmund, qui n'a quasi pas existé dans cette partie. Avec encore une fois Haaland pour frapper. Oh là là, et pour marquer. Incroyable. Ce joueur est incroyable. Extraordinaire. Il est stratosphérique tout simplement. J'aimerais savoir à quelle puissance, à quelle vitesse a été cette frappe. Mais regardez la joie de cette équipe. Quelle patate. Quelle cacahuète. Mais quelle puissance. Incroyable. Il est supersonique. Comme ça frappe d'ailleurs, quel joueur! Il est magnifique. Il est hors du commun, tout simplement. Et il est aussi présent lors des grands rendez-vous. Petit ballon très intéressant, Meunier, pour cette remise de la tête. Est-ce que Neymar peut enchaîner? Oh, c'est le poteau! Le poteau vient sauver Bourki, quasi le doublé pour le Brésilien.
C'est le poteau qui vient. Neymar qui reprend cette très très belle action du Paris Saint-Germain. Ça c'est le tout dernier coup de coin, la dernière occasion pour le Paris Saint-Germain en dessus. Oh, Thiago Silva. Thiago Silva qui avait réussi à deuxième femme qui a tiré les cheveux. Ouais, je peux vous dire ce corner au premier poteau avec Thiago Silva. C'est et fini. Puis la fin du match. Ce résumé vous a été proposé par Heineken. Et Pepsi Max, sponsor de l'UEFA Champions League.